commencer. Je bénis le nom de l'Éternel qui me donne la force parce que j'ai pas l'habitude de parler devant les gens. J'ai souvent l'habitude d'être en arrière. Donc, mon témoignage, c'est suite à mon accouchement. Quand j'ai accouché mon deuxième garçon, j'ai fait la haute tension, la haute pression. Et j'étais sous médicament. Je prenais sous médicament Adalat. J'en prenais deux chaque jour. Si je faisais une journée, ça prend la tension montée. Alors, je priais à Dieu, je disais, Seigneur, à mon jeune âge, la tension, je sais que mes parents ont dit souvent que ça se transmet, c'est génétique. Ce sont mes parents, Seigneur, à mon jeune âge, je vais où avec la tension? Alors, le Seigneur m'a guéri. J'ai en songe, une semaine avant que vous n'arriviez, je vous vois en songe. Et dans le rêve, vous me dites, le Seigneur m'envoie, il me dit qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au dos. Je dis, non, c'est pas moi, j'ai pas mal au dos, c'est maman qui a mal au dos. Moi, depuis que j'ai accouché, j'ai un problème de tension. Tu me dis, oui, le Seigneur m'a aussi montré cela. Et puis, tu m'as imposé la main, j'ai senti l'onction, très forte. Et quand je me suis réveillée, j'avais. Le diable m'a envoyé, comment dire, des doutes. Il dit, est-ce que tu es sûr que tu es guéri? Tu n'es pas sûr. J'ai dit au diable, tu es un menteur. Je scelle ma guérison au nom de Jésus. J'ai cru à ma guérison. J'ai commencé à arrêter le médicament tout doucement. Je suis passée de deux comprimés à un seul. Puis, au moins de cette semaine où il y avait le programme, je ne prends plus aucun médicament et ma tension est normale. Au niveau de mon sein droit. Et dans la même semaine, l'hôpital m'appelle, je faisais régulièrement des examens. L'hôpital m'appelle pour me dire que j'ai mon examen sur moi. Et je suis allée, quand on passait l'échographie sur mon sein, la dame dit, mais je ne vois plus la masse. Je ne vois plus rien, je ne vois plus la masse. Donc, mon témoignage, c'est pour encourager tout. Jean n'a jamais posé sa main sur moi, jamais. Le Seigneur travaille vraiment avec lui. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés et que la gloire soit donnée à notre Papa. Amen. Voilà, donc, voilà, gloire à Dieu, la délivrance, la guérison. Le Seigneur n'a pas